Hey, salut tout le monde, c'est Shido, j'espère que vous êtes très bien. On est là pour l'épisode numéro 11 de notre Let's Play sur Skylanders Giant. Bien avant, je vous souhaite une très bonne année parce que c'est le premier épisode, on va dire, en 2024 pour Skylanders Giant. Voilà, le dernier étant donné qu'il a été tourné en 2023, donc. Ce sera pas la première, mais bon, je vous souhaite quand même une très bonne année. Et nous, on est parti pour le niveau de la foreuse. Alors là, bon, on est un peu libre au niveau des personnages. J'ai décidé de jouer le Lakin Road. Voilà, est-ce que on aura un bon personnage? On verra bien. Il tient niveau 15, mais bon. Ah, je me suis trompé, c'est pas le bon bouton. Bon, Le voilà. on dit déjà, ça ira mieux la Bon, prochaine j'espère fois. pour vous, les fêtes de fin Tu veux d'année. essayer de retourner dans l'usine de Foreuse? Sont bien passés, bon, de mon côté c'était tranquille avec la famille. Génial! Croise les doigts pour éviter une nouvelle embuscade. Voilà. Enfin, si tu as des doigts. Et là on attaque du coup le niveau qui pour moi est l'un des meilleurs du jeu, à savoir le chapitre 11, Sabotage avec la foreuse. Waouh! Jolie usine de foreuse. Regarde-moi la taille de cet endroit! Et tous ces gadgets et ces Aïe aïe trucs aïe. qui tournent. Elle est incroyable. Imagine le travail que ça représente de bâtir ça. Impressionnant. Tu dois quand même la détruire. Bon, c'est impressionnant. On est toujours sur Un peu Wii U comme en fait, hein. On n'a pas comme changé de console pour l'instant. toi. Boum! D'ailleurs, ça fait bizarre de rejouer au Gamepad, hein. J'y joue pas tout le temps, hein, la Wii U. Allez. Oh mince, je suis content de te voir. Nous les Volkins, nous avons été obligés de travailler pour cette horrible foreuse. Et pire que tout, elle chante. Ah. Non. Skylanders et Tech sont plus puissants. Forcément. Là c'est bon. Ah bien, ah punaise, il est trop le bon. Voilà. C'est vrai qu'il était très cool à jouer la Lakin Road. Bon, toujours ma manie de récupérer tout l'argent au passage. Voilà, je le répète aussi, c'est pas un 100% le let's play, bien sûr. Si on peut récupérer, on récupère. Ah, va falloir un géant, je pense. C'est ça, il faut un petit géant. Eh bien, on va le chercher. Oh punaise, j'ai même pas eu. Bon, ça va, c'est des kamikazes. Alors, ce que je vais faire. Je pense que là, c'est bien. Hop, on peut changer et récupérer le géant. Je vais t'avoir. Voilà, le Wave Brawl spécial Halloween. Malheureusement, c'est une chase, donc on ne la verra pas en game. Allez, épreuve de force. Sinon. Ah, d'accord. Bon, écoute. Alors, un petit combat de Skystone. Je me suis faufilé sur la foreuse pour gagner un peu d'argent avec ces idiots de Molkins. Mais tu feras la fin. Ah, écoute, on y va. J'attends impatiemment de te battre. Bon, je suis pas forcément le meilleur set, mais bon, pourquoi pas. En espérant qu'on se fasse pas trop démolir. Tac 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 tac. Comme ça, on peut peut-être isoler le vagabond.
forcément. Bouclier inhumain. Voilà. Voilà ce que je vais faire. C'est qu'on va mettre celle-là. Comme ça, on peut éventuellement isoler. Démon pour. Des rifteurs. Voilà. Champi blindé. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas une grosse pierre pour moi trop mieux parce que sinon on est mal. Oh, on est mal. Bon, de toute façon, pas trop le choix. Mage voyou de la vie. Des rifteurs. Heureusement qu'il a proposé sa pièce au milieu parce que à mon avis il aura fait quelques dégâts. Alors, lance-roc. Tu m'as battu, Baron O'Douce. Je dois changer le surnom. Bon, on va garder un petit peu avec Brawl. Parce que lui. Je suis pas encore habitué à passer sur les anciennes commandes. Alors. Mes petits frères. Alors là c'est bon. Ah oui, bon là c'est facile. Vas-y, envoie ta bombe. Allez, merci, au revoir. Bon, ça va être chiant. On va attendre que les deux ils tombent. Oh ouais. Ah ouais, 111 quand même. Ah ouais, eh, ça rigole pas. En plus c'est fort pas si. Punaise. Bon, c'est vrai que les géants sont pas forcément le personnage le plus utile dans ce genre de situation. Ah, mais je pensais pas que c'est... on allait prendre 111 de dégâts quand même. Bon après j'ai pas fait gaffe non plus hein. Ouais, je peux pas passer. Bon là on va attendre un petit peu. Voilà, bon là forcément. Vite, esquive, esquive. Oh punaise, j'ai activé le coup pour rien. Ah, ils sont pas si forts que ça. Forcément, je m'en prends plein la tronche. Ah, je pensais pas qu'il était pas si résistant que ça. Tiens. Oh bah alors. Alors on est bien. On est bien. Ah, il est chiant, lui. Après les gens sont fait un petit peu quand même, enfin, les gens sont fait quand même prendre des dégâts. C'est pas forcément les personnages comment dire qui vont prendre le moins de dégâts possible dans ce jeu là, ça c'est sûr. Oh, faut tout refaire. Non, attendez. Voilà. Ah, ça j'aimais pas dans Skylanders, c'est le premier, il fallait toujours revenir en arrière, revenir. Les Skylanders et la tech sont plus puissants. Voilà, là je trouve qu'il faut faire gaffe, je suis mort. On n'a pas.
C'était... Alors je crois qu'il y a un truc à faire après pour les gemmes, jetons d'amélioration. Je ne sais plus. Comment ça... Oh, je sais pas, fait que j'ai regardé mon écran pour... Ah, ça sent... Voilà, ça sent la porte élémentaire. Écoute, on va faire ça. Et justement... Bon, une fois que l'élément en question est juste devant, dans la pile, c'est déjà pas mal. Le Stealth série 2. Allons go. Je me rappelle même plus du tout ce niveau là. Ah si, je me rappelle. Ah bien sûr, on fera attendre. Ouais, c'est bien ça. Sur la plateforme rotative et récupère un puissant nouveau chapeau. Ah, j'avais pas assez. J'ai même pas la troisième attaque avec elle. Alors là, ce serait pas mal là, si on pouvait faire ça. Ah non. D'accord. Alors écoute, on va faire ça. On va donc attendre que ça passe en plus et on fait ça. Voilà, on récupère le petit chapeau. Ah, j'aime bien ce chapeau là. Ça me rappelle Jurassic Park. En mode explorateur et tout. Ah, je sais pas. Et hop, on est passé. Ah, c'est cool. On a récupéré ça, ça peut servir pour le personnage. Bon, la porte, c'est bon. On va continuer à jouer avec Steel, tiens, yop. Les Skylanders liés à l'air sont plus puissants. Je fais vraiment pas de dégâts. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Hop, forcément, on a besoin d'un géant. Je vais t'avoir à l'œil. Le géant qui a déjà pris bien cher. Épreuve de 6. Je me croyais sur PlayStation. Tapoter le bas, mais. Mince, je me suis à chaque fois, je me prends de trucs. On récupère si elf. Mort silencieuse. Allez. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, pas de l'argent, il y a vraiment rien. Mais bon, ça fait partie des lieux à valider. On comprend quand même.
s'occuper déjà d'eux. Ah mais... Oh mais... Ah. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait posement. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut tomber? Non, on peut pas tomber. On avait une zone cachée. Hein. Bon allez, je pense qu'il n'y a plus rien ici, on peut continuer. Alors ici, attention. Watch. Allez, encore des... Oh, je suis coincé. Ah, ils font quand même mal, hein. Ouais. Ok, nice. Alors là, on est bon pour ça. Ah, va falloir un scanner de la Terre. Bah, je pense qu'on... Étant donné qu'on est encore sur les rééditions, on va utiliser un petit peu Terrafine, si je le trouve. Il est là-bas. Forcément, c'est le seul qui a le point levé. Hop, allez. On envoie notre boxeur préféré. Qui veut pas murer à fond, en plus. Ah si, il est muré à fond, mais... Alors attendez, je vais juste voir un truc. Amélioration. Ah, il est pas entièrement amélioré. Ouh, ça sent un boss cut ça. Alors. Ah, c'est pas forcément l'embuscade. Je pensais que la plateforme était plus grosse. Il y avait quand même du charme, hein, mais... Les portes élémentaires avant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bon, faut faire le tour. Je pense qu'il faut actionner un truc. Comme d'hab. Pour la plateforme, c'est bon. J'ai fait le con. Oh ouais, d'accord, c'est nous. Faire pop ici. Heureusement qu'on peut se soigner dans les zones des élémentaires. Allez. Ah. Va falloir attendre que ça tourne. Je sais pas si je peux pas aller briser les rochers là-bas. J'irai après. Peut-être un coffre, on dirait, je sais pas. J'arrive pas à voir bien derrière. Petite plateforme, mon niveau. Voilà, le pire, c'est qu'il va falloir. Alors, est-ce que je peux les casser? Non, je peux pas les casser, donc c'est bon. On peut y aller. Dieu.
on va essayer de pas finir en crêpe. Allez hop, nouveau chapeau. Bien sûr, je me suis loupé parce que je me crois toujours sur cette force. Appuyez sur le bouton du haut. Et le code de signalisation, nickel. Ah, tu as plus 15 en critique. Rien de dédius. Allons, niveau. Ah, ouais, je suis obligé de faire tout. Je suis obligé de refaire le tour. Ouais. Allez, allez, allez. Hop, on esquive. Comment ça, il me tue? Ah, ouais, d'accord. Ouais, super. Ah là là là. Voilà, nickel. Allez, deuxième portée élémentaire terminée. On va prendre un style elf pour la suite. Ah, wow. J'ai fait ça, je crois que style elf était bon pour full life. Mort silencieuse. Et le style elf, c'est Raidu. Ah, t'es mis pas full life en plus. Bon bah tant pis. Logiquement, y'a plus rien. Si je peux passer là, si je peux passer là, si je peux passer là, c'est bien. Voilà, alors. Les Skylanders liés à la magie sont plus puissants ici. Alors, oui, c'était ça pour le jeton d'amélioration. Je crois qu'il faut choper un mécanisme. Je sais où. Juste là-bas, il y a quelque chose pour. Bon, rien, pas de l'argent. Ouais, alors ça. Oh, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait le niveau que. Voyons voir. Parce que là, c'est pour continuer, forcément. Alors, dans la logique, ça voudrait dire que je dois aller par là. Ah, en tout cas, le bouton est là. En tout cas, il y a un bouton. Est-ce que ça va permettre de débloquer les autres zones? Ah, là, je peux y aller aussi. Alors, attendez, je suis juste allé voir si ça débloque la zone derrière. Oui, ça a bien débloqué la zone du jeton. On ira après. On va descendre là parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à faire. Ah, bah oui, forcément, la tigène d'âme de Sprocket. Non, pareil, Sprocket, ça fait partie des personnages que j'ai presque pas joué. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai pas rejoué, Sprocket. Pour le prochain épisode, on apprendra un petit peu, tiens. Ah, petite zone cachée. On y va. Oh putain, ça va être chiant. Ah, peut-être pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Je crois qu'il faut essayer de les. Non, c'était l'inverse. C'est laquelle qu'on maîtrise. Ah, là je pense qu'on est à peu près synchrone. Bon, je pourrais rester en bout de plateforme. En tout cas, il est bien original le niveau. Hein. Ah oui, ils sont quand même à peu près synchrone. Ça, c'est bien. Voilà, allez. Nouveau coffre. Regarde ce que j'ai.
Allez, ça c'est bon. Comme chercher le jeton. Oh non, faut tout refaire. Bah, tout refaire. Forcément, il fallait appuyer sur le bouton parce que ça m'a resté de la zone. Voilà. Et là, on peut aller chercher le jeton. Alors, je crois que c'est un pouvoir suivant. Voilà. On n'a pas encore vu Ori, tiens. Ouais, je crois qu'il s'appelle Ori. J'ai un gros doute. Bon, toi, tu vas venir, je peux me passer si j'ai pas battu mon grand bord. Les Skylanders liés à la tech sont plus puissants ici. Il va falloir un géant. Alors, juste ici. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tourner avec le gamepad. Alors. Voyons voir comment on peut faire. Si on fait ça, ça, ça. On va prendre des polos pour faire des records. Allez hop. Ah, je vois, donc forcément je vais venir par ici. On est polos, mon cul, hop. Bon, je vais faire un peu de la merde quand même. Là. Alors comment on fait pour atterrir là, faut faire ça. On va dire que c'est à peu près correct. Hein. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Ouais, il y avait vachement moyen de faire mieux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça c'est intéressant pour débloquer. Bien entendu. Ah oh, oui, comme le cristal. Il est un peu bête. Voilà. Alors je crois qu'il faut pas trop coller côté gauche, sinon ça va nous amener à la phase finale du niveau. Ah, alors c'est horrible quoi ça. Ah, Auric. Est-ce que tu as un petit emplacement? Non, t'as rien du tout qui m'intéresse. Voilà, hop, on va rappeler le géant. Quand je suis au boulot avant la fin. Je vais t'avoir à l'œil.
Et c'est parfait, Alonio. Blanc les yeux. Ah. Alors par contre, comment on a fait pour... Je me rappelle plus comment on fait pour débloquer la tablette. Ça c'est une bonne question quand même. Pareil s'il y a rien d'autre en façon. Ouais bah écoutez Bon bah voilà, tant pis. Tant pis pour la tablette. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer deux personnages. Et moi je vous propose je dis que ça j'utiliserai après. Tiens, allez, quand on est un petit peu dans la mode foreuse qui creuse la terre. Voilà. C'est le rayon. Le Prince. Oula, Prince Break série 2. Il est pas du tout amélioré à fond sur le souvenir. Ah c'est ça. Il manque les deux derniers. Donc à savoir son pouvoir de la gemme et son pouvoir au pouls. A débloquer. Bon j'en ai pas besoin. Allez. Ceci va être intéressant avec ces cristaux. Allez, petite fourreuse. Grande fourreuse. Le Transformers. Et la petite musique qui va avec. Les combines, on vient de dans la vue. Je sais plus. Fausse mâche. Ah, dommage. Skylanders. Ah, elle est trop bien cette foreuse. Bon là il y a intéressant à faire, c'est que tu attends et tu sautes. Et... là c'est parti, on fait la même, on attend et on saute. Ah dommage. Un peu cassé la fourreuse. Ma fourreuse. Thank you.
Bon, ça va, il ne reste plus grand chose à faire. Oh, attention! Ah ouais, encore un coup. Et voilà! Allez, casse la foureuse! Piston Flanch! Oh, 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 les dégâts! Allez, les dégâts! C'est qui va encore payer? Et voilà! Un combat vraiment bien mené. Oh, forcément, il est. Ah ouais, bon, pas grand chose. Donc la moitié du niveau, mais c'est pas grave. De toute façon, on est là, je l'ai dit, on n'est pas là pour faire du 100%. On est là pour découvrir l'histoire. Nous. Comment atteindre la cité d'Arcus sans ça? Silence, idiot! J'ai un autre plan. Un plan si diaboliquement simple et intelligent que même toi, tu ne pourrais pas échouer. Observe mon intelligence supérieure. Robot. Robot, comment entrer dans la cité perdue d'Arcus? T'as pas pu demander ça avant. Il y a une entrée secrète. Je vous y emmène si cela vous fait plaisir. Ok. Eh bien, ça c'est propre. Et encore un niveau terminé. On s'approche de plus en plus de la fin. Ou encore. 5. Alors, je crois que c'est 16 ou 10 chapitres. Je m'en rappelle plus. Faire sauter la foreuse nous a fait gagner du temps. Mais Chaos trouvera un autre moyen d'atteindre la cité perdue d'Arcus. Oh, formidable! On ne sait même pas où il est. C'est la fin. Pas forcément. Nous pouvons toujours le battre. Et comment tu comptes faire ça? Avec la magie? Eh bien, oui. L'un des travailleurs, Molkin, m'a parlé d'un oracle qui vit près de son village et qui peut répondre à n'importe quelle question. Si on le trouve, il pourra peut-être nous dire comment aller à Arcus. Quel talent, ma chère Kali! Sinon, c'est bien beau de le trouver. Mais pour lui dire quoi? Oh bon. Ok les amis, bah voilà, on a bien battu cette fourre chanteuse. Donc les amis, c'était Shido, je vous souhaite encore une nouvelle fois très bonne année 2024. Et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Let's Play de Skylanders Giant. Allez, salut.